tout à l'heure, le service de protocole vous donnera plus ample information. Camarades militants, veuillez garder le silence. Nous allons poursuivre le cours normal de notre séance. Nous allons présenter nos excuses à son Excellence, Monsieur le Président, pour ces quelques perturbations. Merci d'observer la discipline. Je disais, d'entre les propos, que nous étions bel et bien à une séance extraordinaire de notre comité central par haute direction du parti, sous la présidence effective de son Excellence, le Président Laurent Gbagbo, qui siège pour la première fois de cette structure depuis son retour au pays. Indiquer le déroulé de notre session, je voudrais rappeler le docteur Assouad à ce public, mais avant, comme je le disais, je rappelais l'ordre du jour qui comporte deux points. Un premier point, un hommage au camarade disparu pendant l'absence de son excellent le président Laurent Gbagbo. Le deuxième point porte sur l'adresse du président. Avant qu'on aille plus loin, je voudrais, avec la permission de son excellent le président Laurent Gbagbo, vous demander de nous tenir debout pour observer une minute de silence à la mémoire de notre service. Excellences, Monsieur le Président, honorables membres de cette auguste assemblée, je voudrais vous présenter vos excuses pour la petite perturbation que nous avons eue tout à l'heure. C'est ça aussi la vie. Ceci dit, permettez-moi d'abord de remercier le Président Laurent Gbagbo. Je le remercie parce que en 2014, j'étais en exil au Ghana, quand il m'a appelé, il dit à soi, pas à l'Union, pas faire ma campagne pour que je puisse diriger le Front Populaire Ivoirien. Et je suis venu à Côte d'Ivoire en compagnie de Michel Dédé. Malheureusement aujourd'hui disparu, c'était madame Odette. En 2018, j'étais en prison lorsque le congrès de Moussou se tenait avec Sangaré et Assona. Ils sont tombés d'accord pour que je sois le secrétaire général du parti. Merci pour cette grande confiance. Merci. Je voudrais aussi, à votre nom, à tous, dire la bienvenue au président Laurent Gbagbo.
première fois à l'époque. Et il n'y a pas de problème. Il a amené à Corobo dans une case où il pouvait faire adopter deux positions. Se coucher pour s'accomplir. Il n'a pas la petite taille que j'ai. Donc, il pourrait être la souffrance. C'est la vérité. Babo a vu. Donc, je voudrais dire tout simplement
Tcha. Nous devons nous obéir. Nous devrons rester debout et que la victoire est tout près. La victoire. Le Dieu. Il y a rien.
Merci, Excellence, Monsieur le Président, d'avoir décidé de rendre hommage à cet illustre combattant pour la liberté qui ont défendu votre cause jusqu'à votre. Merci beaucoup. Camarades militants, camarades militants, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre le cours normal de notre déroulé. À présent, nous allons entrer dans le vif de ce séminaire que nous venons de voir, en appelant ici le professeur Nyan. On va pas quitter ici. C'est 2 heures. Il y a deux, il fait comme Sangaré.